close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Le tournant, c'est peut-être ça. Je pense que le tournant, surtout, c'était une prise de conscience des filles, parce qu'on prend 8 buts en 12 minutes, peut-être. Après, on prend plutôt 3 en fin de première mi-temps. Donc, pendant 20 minutes, on défend plutôt un petit peu moins de 20 minutes, mais on défend plutôt bien. Et donc, tu vois, parce qu'en première mi-temps, on fait beaucoup de poteaux. On fait 7 poteaux. Tu vois, donc, bon, tout ça, quand tu chopes, tu balances un petit peu le truc, tu jettes, bah écoute, on est plus à la mi-temps. Oui, c'est-à-dire que l'équipe, il y a une espèce de sérénité, de confiance, une espèce de mainmise sur le projet de la part de l'ensemble des membres de cette équipe. L'équipe, c'est des joueuses et c'est un staff. Donc voilà, on a le projet en main et on essaie de l'amener là où on a envie de l'amener. Voilà, trouver de la sérénité et surtout pour être bien au moment où il faut. Parce que les matchs, ça ne se gagne pas forcément dès la première minute. Les matchs, ça se gagne, il y a des moments importants. Il faut être présent au moment important. Je pense qu'on a su pour l'instant réagir à chaque fois et je pense que ça va continuer. Serré jusqu'à la fin, et Anna qui met le but de la victoire, on défend bien à la fin et au final on gagne, je suis trop contente. Et bah oui, c'est très important de gagner tout court parce que c'est vrai que Nice c'est un jeu assez spécial, ça nous endort un peu je dirais, et au final elle nous attaque quand on s'attend le moins. On a essayé de rester concentré le plus longtemps possible et on a réussi, à la fin mais on a réussi. Côté Nice, c'est une équipe difficile à jouer, hein. ça joue très très bien. Te manœuvre et mettre leur rythme, ça... Les attaques durent très longtemps, donc il ne faut surtout pas se désunir, tu vois, il faut rester concentré, il faut rester en agressivité. Et puis c'est la meilleure défense du championnat, parce que les collaborations sont justes, parce que le projet défensif est performant et que Colef a fait un remarquable boulot, et puis que Sako, elle n'est pas toujours facile à manœuvrer. Donc c'est une équipe difficile à jouer, si tu n'arrives pas à l'amener sur ton rythme, si tu n'arrives pas à l'amener à ta main, c'est une équipe difficile. Écoute, ce que je retiens, surtout, c'est qu'on a gagné. Écoutez... L'analyse, elle est simple, c'est le plus de rotation, plus de fraîcheur et bien sûr la qualité individuelle sur certains postes, notamment votre côté à droite, qui fait la différence ce soir. Sinon, nous on a bien, même si on a 2 jours de préparer ces matchs-là, on a montré qu'on a bien préparé. Les problèmes, ils sont sortis à la fin de première mi-temps quand on a changé certains joueurs, qui ont obligé de changer parce que sinon... On peut mettre en danger certaines personnes, certaines joueuses. Voilà, donc celle-là où psychologiquement le Brest il revient. Et au final, c'est ça qui nous fait un peu mal parce que quand vous voyez, on prend 2-3 buts à la fin qu'il faut peut-être pas prendre tous les 3, donc prendre 2, ça fait toujours égalité à la fin. Donc cet point au dernier mi-temps, dernière seconde de premier mi-temps, il fait la différence pour moi. Voilà, après, franchement,
avec l'effectif qu'on a monté, qui c'est pas un alibi, mais vraiment les filles sont battues comme toujours, et on a toujours montré qu'on a des qualités et qui si on continue comme ça, on peut se faire encore une saison très intéressante et positive. Il y a eu des réactions, il y a eu des envie on a toujours, mais il y a eu une organisation qui était bien présent. Je pense que Brest il a pas marqué beaucoup de buts facile. Et plus ça prend, je suis désolé, mais de prendre 23 buts face à un Brest qui a des mitraillettes à tous les côtés, on est fiers, ça va.